Chers amis gourmets, bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons travailler sur la compote de pommes. Alors pour faire une bonne compote de pommes, il vous faut donc une casserole, des pommes, hein, bien sûr, OGM si possible, hein, ça a un petit goût sympathique, et du sucre en poudre. Alors bien sûr, il faut éplucher les pommes, hein, voilà, avec un épluchatoire. Et comment ça marche ce truc? Voilà, ensuite quand les pommes sont bien épluchées, vous les mettez dans la casserole et vous mettez thermostat 8742 13, mais on s'en fout, tu fous la pêche. Voilà, ensuite évidemment, hein, vous touillez, hein, c'est bien le mot touiller, vous remuez quoi. De couvrir après quand vous avez touillé, et là vous laissez cuire à peu près une cinquantaine d'heures à peu près, enfin n'est pas à 10 minutes près. Ah oui, j'allais oublier, faut pas oublier de mettre une petite lichette de sucre, mais à peine, hein, comme ça, voilà. Et là vous couvrez, vous laissez, comme je disais tout à l'heure, 80 heures à peu près, voilà, là vous attendez. Et là, le miracle s'est accompli. Vous constatez que vous avez une merveilleuse compote de pommes. Compote. Ah, je crois bien que j'ai oublié d'allumer le gaz. Je suis con. Mmh.